That's the way you get to the next level in the X Games for 10 years. He's built for speed, he's built for air. Watch his first hit. Crossed up, double cork, gets the grab in as well, and then down on the bottom, look at another cork. Such style, Mike. Hard moves look so easy. Here's what caused him problems last time. Backed off just a little bit, wraps up. Can't stick it down. The switch 1080, perfection. Salut, moi c'est Thomas Krief, j'ai 18 ans, je fais du ski freestyle et je viens de l'Alpe d'Huez. Thomas, la première fois que je l'ai vu, je crois que c'était sur Graines de Petit Champion, sur France 3 ou un truc comme ça. J'ai commencé le ski quand j'avais 3 ans. Donc j'étais tout petit et après je me suis mis au freestyle vers l'âge de 7 ans. Et c'est là que j'ai découvert cette discipline et j'en suis tombé amoureux entre guillemets. Petit à petit j'ai pris goût au halfpipe et maintenant le halfpipe c'est ma discipline phare. Thomas, je l'ai rencontré donc été-automne 2006 il me semble. Et puis on a appris à se connaître vraiment en automne sur les premiers stages du groupe France. Du coup, là, c'est lié à une amitié et puis une collaboration qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. J'espère que ça durera. C'est un mec qui réfléchit à la manière dont il doit prendre éventuellement des risques et la manière dont ça va le faire évoluer. C'est pas une tête brûlée. Après, c'est aussi celui qui use de ses facilités. Donc vu que c'est une personne douée, il a tendance à être plus cool qu'une personne qui l'est moins, quoi. Le pipe en ski, pour moi, il est réellement né, je dirais, en 2003, quand Candide gagne les games à Aspen, en pipe. Ce jour-là, Candide est allé escalader à 6 mètres. Il était double de hauteur de tout le monde. Et là, je dirais que ça a vraiment donné une autre dimension à ce sport. Et je pense qu'il est vraiment, il a vraiment trouvé son côté spectaculaire à ce moment-là. Le ski freestyle, ces dernières années, c'est beaucoup professionnalisé, on va dire. Ça a pas mal évolué. Avant, ça avait un esprit très cool. Tout le monde était relax. Et maintenant, c'est vrai que vu le niveau technique que ça exige, ça demande de l'entraînement. On a créé notre groupe, le Freeski Project, il y a 4 ans maintenant, donc avec Kevin, Xavier et Greg. Il y a Ben qui a rejoint le groupe l'année d'après. On a décidé de créer la structure qui est la nôtre aujourd'hui, le Freeski Project. Les skieurs ont mutualisé leurs moyens pour pouvoir s'entourer d'un entraîneur en l'occurrence et de moyens pour pouvoir aller s'entraîner dans des pays où les structures sont bonnes, justement. Récemment, on a eu une annonce dans notre sport qui a pas mal tout chamboulé. Du fait que les JO maintenant sont en slopestyle et en halfpipe, il y a tout qui se cadre, même si on est toujours freestyle, on fait toujours des conneries, on a toujours notre mentalité. On reste comme avant, mais on est un peu plus structuré. Bon, à l'arrivée des JO dans notre sport, je la vois d'un bon œil parce que ça ne fait qu'un objectif supplémentaire. Moi, je pense franchement que c'est une bonne chose. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est en France. En France, c'est pas les États-Unis. Et aux États-Unis, il peut peut-être y avoir que les games, ça suffit à ce que les gars soient super et une grosse notoriété. En France, le français ne jure que par une chose, les Jeux Olympiques. Et de plus, je dirais par là, c'est que pour que les budgets se débloquent au niveau de la fédération et pour aider les gamins dans les clubs, tout ça, il faut que le sport soit olympique.
Je suis quand même curieux de voir la manière dont ça va évoluer. Puis la responsabilité qu'on a là-dedans à garder notre sport comme il est, avec l'esprit et, et tout ce qu'on veut garder, quoi. C'est vrai qu'on parle de compétition, mais on parle aussi de l'aspect média et de l'aspect vidéo qui a toujours été très important. C'est ce qui a fait aussi la reconnaissance de ce sport dans de nombreux pays. Aujourd'hui, il y a trois sports où tu vis du film. Il y a le surf, le snowboard et le ski, parce que tu joues avec un élément naturel. C'est là que le mot free ski prend tout son sens, c'est qu'on est quand même libre, on est libre de choisir une ligne, d'aller sauter une barre, d'aller faire un tricks là ou là, et qu'on n'est pas, formé à aller rider un tel truc. C'est que là, tous les jours, tu skis quelque chose de nouveau et c'est créatif et artistique. J'ai eu l'idée de Tiki TV il y a maintenant 3 ans, donc pour créer un contenu sur internet, que les gens puissent me suivre entre guillemets toute la saison. Et cette année, j'ai voulu aller encore plus loin. Je pensais qu'il manquait un truc pour que ce soit complet. Donc on avait fait des épisodes très basés sur le ski, on va dire, avec de belles choses qu'on va continuer à faire, bien sûr. Mais cette année, on va développer un autre côté. Et donc, je vous laisserai découvrir ça tout au long de la saison.